tous, ravi de vous retrouver dans la rubrique culturelle de notre life. Alors, nous avons vu la semaine dernière un bref historique sur l'origine du mot salsa et je vous avais promis de vous parler cette semaine plus particulièrement de ce que nous appelons vulgairement la salsa cubaine. Vaste sujet que nous allons entamer par étapes évidemment. Alors, des musiques danse cubaines connues aujourd'hui, nous trouvons chronologiquement la rumba qui est apparue en 1830 dans les quartiers marginalisés de la Havane, dans des bidonvilles et dans des ports. Elle est le résultat d'un métissage entre les percussions des esclaves africains et des mélodies européennes. Véritablement festives, ces mélodies sont accompagnées de pas de danse improvisées, issues des rites et des cultes africains, imitant les parades nuptiales des animaux. Et ainsi naquit la rumba qui se veut la matérialisation des relations amoureuses entre l'homme et la femme. Alors les pas dégagent de la sensualité, de la grâce et de la joie, visant à rapprocher les individus, peu importe leur classe sociale, leur âge et leur origine ethnique. Dans le cas de la musica cuba, une chorégraphie généralement met en scène une querelle entre un homme et une femme, mimant attraction et rejet, chacun des deux souhaitant imposer sa domination sur l'autre, comme maintenant d'ailleurs. Mais même si le masculin l'emporte toujours à la fin, un peu misogyne tout ça. Alors la rumba devient une danse de salon en 1930 et fera son entrée dans les compétitions dans la catégorie danse latine. Véritablement ancrée dans la culture cubaine, témoin de sa riche histoire et de sa mixité sociale, la rumba a été classée au patrimoine immatériel de l'humanité en 2016. Rien que ça. Alors parmi les autres styles, nous pouvons aussi évoquer le cha-cha-cha et le mambo, hein, donc ce sont disons, les trois les plus connus. Et pour retrouver un peu les origines du cha-cha-cha à Cuba, il faut remonter à la fin des années 40, alors que la Havane est une des destinations les plus prisées des riches américains. Le soir, restaurants et cabarets deviennent le théâtre de concerts improvisés où artistes locaux et musiciens américains marient avec élégance notes de jazz et airs de rumba pour créer le mambo. Alors, les danseurs cubains s'emparent très vite de cette nouvelle mélodie rythmée en 4-4. Hein, permettant un enchaînement de pas rapides, entremêlé de quelques acrobaties. Et pour reprendre leur souffle, les danseurs introduisent des mouvements plus simples appelés tchatch, évoquant le glissement des pieds sur le sol. En 1953, le compositeur cubain Enrique Jorén, musicien de l'âge d'or du mambo, remarque que cette danse n'est pratiquée que par des danseurs avertis, le grand public délaissant ce style pour la rumba. Il imagine alors des mélodies moins syncopées, plus faciles à danser. Un succès immédiat avec des danseurs débutants comme émérites, enchaînant des pas dérivés du tchatch, hein, qui devient le tcha-tcha-tcha. Voilà, donc nous avons rapidement rappelé l'origine de ces trois styles de danse connus dans le mambo, dans le monde entier, hein, la rumba, le mambo et le tcha-tcha-tcha. Mais qu'en est-il des moins populaires mais néanmoins importants dans l'évolution des musiques et danses cubaines, telles que le changui, le danzón, le son cubano et son cousin, le son montuno, voire même plus tard la timba? Eh bien, il fera l'objet d'une rubrique spéciale la semaine prochaine. Hasta pronto. Besitos.